comme aujourd'hui, t'as pas été en retard. Ça circulait bien, malheureusement bien. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne sur les routes. C'est le confinement, faut faire avec. Hein. De toute façon, on peut pas faire autrement. Bon, tu prends quoi dans ton sac? Bon, l'essentiel, c'est assuré par l'intendant et tout ça, mais t'as les effets personnels pour s'occuper. Généralement, t'as quoi dans ton sac? Ouais, j'ai toujours mon petit sac à dos où dedans je mets mon iPad, mon casque pour écouter la musique, tous mes chargeurs et voilà, ma trousse de toilette. Bon, généralement tu te mets où dans le bus et comment tu t'occupes? Pas de mot fléché j'imagine, comme un cerceau ou dame? Non. Moi je me place au milieu du bus contre la fenêtre. Et pour passer le temps, je regarde des séries, je regarde des matchs s'il y en a l'après-midi, ou j'écoute la musique. J'imagine t'en as bouffé depuis les jeunes, c'est 3h30, 4h à peu près. C'est quoi le plus pénible que tu as eu à faire depuis que tu es jeune, chez les jeunes? Ou celui dont tu te souviens que c'est une corvée à y aller? Il me semble que avec la CFA, je suis allé jusqu'à Angoulême. C'était 7h je crois. C'était vraiment chaud là. Bon là ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. À l'hôtel, tu fais chambre avec qui généralement? Ou t'es peut-être tout seul? Et comment tu t'occupes le soir quand jusqu'au moment du coucher? Non, je suis tout le temps avec Nico Cosa. Et comment on s'occupe? On discute, on regarde les matchs ensemble. Parce que lui, il est fatigué tôt, donc il va au lit. Donc je mets mes écouteurs et je regarde mes séries. Carottes, lentilles, poulet, steak, c'est quoi ton menu privilégié, veille de match? Moi c'est toujours saumon avec il y a des haricots verts, je prends un peu de betterave et le midi un peu de pâte. Et voilà, je prends tout le temps ça. Tu te rappelles de ce que tu avais chanté lors de ton premier groupe avec les pros pour ton visiteur? J'ai chanté soprano, ferme les yeux, imagine-toi. Est-ce que t'avais été bon? Ouais, ça a été, ouais. Tu dis que tu fais chambre avec Nico, c'est quel genre de type? Nico franchement il est chiant. Non, je rigole, non. En vrai, c'est un super gars, on s'entend super bien. On rigole tout le temps, on est là l'un pour l'autre quand il faut parler, on se confie. Et non, franchement, je m'entends super bien avec Nico. Vous m'avez l'air pressé, dites-moi. Non, c'est à peine dans 4 heures le match, il ne faut pas la peine de s'affoler. Belle bécane, hein, votre... Oui. Tu n'as pas l'air pressé, par contre. Non, pas du tout. Non, je me prépare depuis le temps que j'attends cet instant, alors. Cette opportunité de faire tes preuves. Oui. Là j'y suis pratiquement. J'ai une forme olympienne. Que les supporters du MHSC ne s'inquiètent pas. Je suis là. Et tu cours pas, tu rebondis en fait.
saumon à, à 9h30, ça, ça passe plutôt bien ou on se force à manger? C'est comment, comment tu le vis toi ces repas? Tu dois être habitué maintenant, mais bon. Oui, non, bah, justement, et l'habitude maintenant, non, ça me dérange pas. C'est vrai que c'est bizarre un peu à 9-10h du matin, mais bon, de toute façon, faut faire avec vu que le match est à 13h, et, mais ça, ça me dérange pas plus que ça. Tu rentres quand dans ton match? Au petit-déj, le jour J ou avant, après, à l'arrivée au stade? Vraiment, quand tu te mets dans ta bulle? Dans ma bulle, vraiment, après la causerie ou quand j'arrive au stade. Je mets mes écouteurs, j'écoute un peu de musique, je vais sur le terrain regarder la pelouse et après j'en trouve un sur et c'est parti. Finalement, j'aurais tout fait ce matin, mais encore une fois, je suis pas titulaire. J'en ai marre. Le trajet jusqu'au stade, c'est toujours un moment spécial? Oui, parce que... Tu dis que tu te conditionnes un peu à ce moment-là aussi. C'est ça, ouais, on y pense bah, de plus en plus, quoi. C'est là où, justement, on se met un peu dans notre bulle. Ouais, généralement, des fois, on peut avoir aussi les supporters adverses sur le trajet qui envoient des messages de sympathie. Ouais, mais ça, c'est toujours... Là, il n'y en a pas. Ouais. Donc, c'est un peu différent. Est-ce que ça joue vraiment... Il y a beaucoup de supporters qui cherchent des excuses un peu à l'équipe, que les huis clos ça aide pas. Comment même quand on est à l'extérieur, on n'a plus la pression adverse, ça fait bizarre, ça fait quoi? Ça nivelle les niveaux des fois, ça, comment tu le vis? Je sais pas si ça nivelle les niveaux, mais en tout cas sûr que c'est pas pareil de jouer dans des stades vides. Et justement le fait qu'il y ait des supporters qui chambrent ou qui nous disent des mots gentils, bah, ça nous aide à nous mettre encore plus dedans, à nous pousser. Ça rajoute toujours quelque chose. Du coup, qui est invité dans les stades, on est tous un peu tristes, mais de toute façon, c'est comme ça, faut qu'on fasse avec, faut qu'on n'a pas le choix. Il faut voir la pelouse, les filets, les cages, prendre certains repères par rapport au stade comme un attaquant. On avait posé la même question à Gaëtan, hein. Dans certains stades, ils aiment avoir des repères pour se... Il y a des fois, en situation, avoir des repères même visuels dans le coin de l'œil. Vous, c'est un peu différent, parce que c'est le jeu qui vient à vous. Comment c'est quoi que tu regardes sur la reco pelouse par exemple? Non, justement, moi je rentre sur le terrain, je regarde un peu tout, je regarde si la pelouse est grasse, pas grasse, suivant les crampons que je dois mettre. Et après, non, je regarde pas plus que ça, je suis sur la pelouse et j'ai tendance à discuter avec Nico encore. Et voilà, on parle du match, on parle du stade, et après, au moment où on rentre dans le vestiaire, c'est là où on se concentre vraiment. Ouais, étape par étape, justement, comment tu te prépares jusqu'à l'échauffement dans le vestiaire? Donc je sors, je vais sur la pelouse, ensuite je rentre. Je vais faire mes straps parce que à chaque fois je vais découper des bouts de straps pour mes poignets. Ensuite je commence à me changer pour l'échauffement. Après je vais m'étirer un peu dans les douches. Et après ça arrive vite, de toute façon après on va à l'échauffement. Vu qu'on sort souvent avant les joueurs. Et voilà. J'ai pas de rituel en particulier. Ah, non. Non. Pourquoi le numéro 16? Vous avez droit à plusieurs numéros, je crois. Oui. Ben, moi le numéro 16 parce que c'est la dernière anniversaire de ma mère, le 16 juin. Donc j'ai toujours aimé ce numéro. Le bruit, l'odeur du vestiaire, l'adrénaline avant un match, c'est du genre à te nouer le ventre ou à te faire dire ben, que t'as de la chance d'être là? Non, surtout que j'ai de la chance d'être là et qu'il faut profiter le plus possible et qu'on a la chance de faire ce qu'on aime, il faut en profiter. Le maillot, ça s'enfile à la dernière seconde, ouais. C'est ça? Moi, tout le temps c'est en dernier maillot. On se dit qu'on est pailladin quand on le met? Ouais. Cherche en premier en tant que gardien, c'est avoir ce premier ballon dans la niche comme on dit, se rassurer sur le premier ballon, comment c'est quoi que tu recherches en particulier? Ouais, c'est ça, ben, on sait que le premier ballon dans un match, ça peut aboutir sur des bonnes choses comme sur des mauvaises. Le fait de si on aborde le premier ballon bien, on va se sentir bien le long du match parce qu'on a bien abordé. Une prise de balle, un bon contrôle, une belle passe, une belle relance, tout ça, ça fait qu'on a un peu plus confiance en soi. Tu préfères être mis à rude épreuve et briller pendant 90 minutes à enchaîner les arrêts ou faire un arrêt décisif et le plus important dans le match?
Moi, si je fais un arrêt et qu'on gagne 1-0, ça me va. Après, briller, surtout pour l'équipe, et à la fin, ce qu'on retient, c'est le résultat. Après, ma performance, il faut toujours que je la réalise bien, mais ça passe après le résultat et après l'équipe. Chers amis, bonjour. Nous voici donc au stade Geoffroy Guichard. Michel Derzakarian l'avait annoncé, l'avait promis. C'était nécessaire, c'est obligatoire et c'est contextuel. Il va y avoir du changement. Et du changement, il y en a effectivement à moins d'une heure du coup d'envoi de cette partie contre les Verts de Claude Puel. Alors, vous savez, entre les absents, les suspendus, ça fait quand même beaucoup de monde. Voici donc le 11 de départ concocté par Michel Derzakarian du changement, je vous l'ai dit. Première titularisation de Dimitri Berthaud dans le but montpelliérain. À droite, en l'absence d'Arnaud Souquet suspendu, eh bien c'est Junior Sambia qui occupera ce poste. À gauche, Ambroise Oyongo. Et dans l'axe, Daniel Congré et Pedro Mendes. Oui, 4 défenseurs seulement pour 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Alors les milieux seront Florent Mollet, Jordan Ferry et Kigan Doli. C'est une surprise, mais le joueur est en forme. Il doit saisir cette opportunité. Enfin, les 3 attaquants seront Andy Delors, Gaëtan Laborde et Stéphie Mavididi. Un 4-3-3 inédit. Très ambitieux, les Montpellierains ont toutes les raisons de l'être. Il va leur falloir éviter de tomber dans cette spirale de l'échec. Pour l'instant, ils sont au-dessus, mais n'y sont pas encore tombés. A tout à l'heure au coup d'envoi de ce match à 13h ici à Saint-Étienne. Eh hey mec, ça va partir vite, ils vont venir nous chercher haut. Ok, on n'est pas surpris. C'est nous qu'on doit démarrer fort, hein. Pas eux. Hein. Ok. Après, on a envie de manger son adversaire en face de soi. Hein. Ce soir. Les gars, on a beaucoup parlé, maintenant on a fini. Hein. C'est ce qu'on a à faire. Hein. Guidez-vous, encouragez-vous. Et soyez à l'écoute. Après, il faut avoir envie de manger son adversaire en face de soi. Hein. Ce soir. Tout dans la bataille.
Ils ont tout essayé, mais en point de maladresse, de précipitation, et puis surtout avec le ventre noué et les têtes lourdes comme les enclumes. Attention, le coup franc pour les Stéphanois sur la ligne médiane, tiré par Aouchiche. Allez, faut sortir Dimitri. Ouais, la prise de balle de Dimitri Berthaud. Il a failli perdre du contact. Trois Stéphanois pourtant à tomber la balle. Dimitri Berthaud va-t-il réussir ce que Jean Assombline, son gardien numéro 1, n'est pas parvenu à faire depuis le début de la saison? Eh bien, écoutez, il ne sera pas exempté, bien sûr, de louanges si nous arrivons à tenir ce score déjà, et surtout le clean sheet qui serait le premier de la saison. On va s'accrocher, tout le monde est là. Allez, la paille avec nous dit Thomas. Et oui, salut mon petit Thomas, Fabrice également, Stéphane, Jocelyne. Tout le monde est accroché alors que les Stéphanois repartent à 385 à l'heure. Nicolas Cozard qui est là en premier rideau. Et c'est encore une fois l'omniprésent Daniel Congré qui va contenir la charge et la jambe tendue au premier poteau de Charles-Édouard Adi. Les Montpellierains viennent d'obtenir une touche à mon chronomètre. Ça va terminer dans 5 secondes. Monsieur Miguel Gourry, vous allez bientôt siffler mon fort. Vous allez bientôt siffler la fête. C'est fini. Première victoire à l'extérieur de la saison pour l'équipe de Montpellier. Premier clean sheet pour le MHSC. Et tout particulièrement, qu'il me soit donné l'occasion de le dire, pour Dimitri Berthaud. C'est le premier match que le Montpellier termine sans encaisser le but. C'est la première victoire à l'extérieur. Bon, ça te fait du bien. Qu'elle fait du bien, celle-là. Voilà, il n'y avait pas scénario plus efficace pour cicatriser la plaie. Elle n'est peut-être pas totalement refermée, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux dans les têtes, et ça ira beaucoup mieux, juste ne serait-ce que pour le chemin du retour. En tout cas, il faut préparer le prochain déplacement, la semaine prochaine, à Bordeaux. Victoire de Montpellier, certes un peu plus difficilement obtenue en deuxième mi-temps qu'en première, mais le premier acte des hommes de Michel Sankarian a été d'une telle qualité, soldé par ce but de Mavidi à la 14e minute, que rien ne m'interdit de vous dire que cette victoire au bout du bout est quand même amplement méritée pour l'équipe du MHSC. Sa première victoire à l'extérieur, c'est par la même occasion la 5e défaite de rang pour les Stéphanois de Puel. Voilà, ça va mieux, on se quitte avec le sourire. Avec Montpellier, vous le savez, c'est comme aux galeries, il se passera toujours quelque chose. Un coup comme ça, mais aujourd'hui c'était comme ça. Allez, merci à vous, merci encore d'avoir été si nombreux, je vous embrasse, à très bientôt. Fait longtemps les gars qui s'arrivent. Ouais. Ouais. Je suis pas content, je vous dis, là, je vous félicite de cette victoire. J'espère que ça va continuer comme ça. Vous avez montré aujourd'hui, c'est un groupe. Hein. Alors je sais que ça fait la gueule ceux qui jouent pas, ceux qui sortent, mais on est un groupe. Et si on va aller loin, on aura besoin de chacun. Donc je tiens à vous féliciter pour cette belle victoire en terre stéphanoise. J'en connais un quelqu'un au ciel qui est content d'avoir gagné à Saint-Etienne. Il y en a un autre aussi qui est content aussi. Donc elle est double. Bon, les gars. Enfin, il est là le premier clean sheet. Ah, ça fait du bien. Et pour Dimitri, c'est bien. Alors, on a été costaud défensivement. Stéphie a su marquer le but qu'il fallait. Enfin, c'était un bon match costaud, un match d'homme. On avait parlé un peu avant le match. Réellement, tu te sentais tranquille avant d'aborder ce match ou pas? Ouais, maintenant que c'est passé. Maintenant que c'est passé, ouais. Je me sentais bien, j'ai fait ma routine. Non, tout s'est bien passé. J'ai fait comme j'avais l'habitude de faire, je me suis pas pris la tête sans pression. Et ça a bien marché. Bon, quelques bonnes interventions, quelques dans les airs à la fin. Ouais, c'est dans ce moment qu'il faut être costaud. Ouais, dans ce moment qu'il faut être costaud et soulager la défense. Et ça nous permet de garder le résultat. Ouais. Tout compte fait, Derzac avait raison. C'était pas mon jour. Pas aujourd'hui.